Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 7 septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Eh bien, aujourd'hui, ça fait du bien, j'ai pigé le bonheur. Alors, le bonheur, c'est la convivialité, la joie, la chance, la réussite, le bien-être, l'épanouissement. Eh bien, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez dialogué, vous avez communiqué, vous avez remis de la stabilité dans ce qui était la carte de l'instabilité. Vous avez communiqué avec la carte des discussions. Vous avez mis les choses à plat pour ne pas avoir de disputes. Eh bien, récompense aujourd'hui le bonheur. Le bonheur, eh bien, frappe à votre porte. Cette carte, elle annonce vraiment que cette journée, vous allez rayonner. Vous êtes peut-être sur le point de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Eh bien, voilà une bonne chose, n'est-ce pas? Votre bonheur, eh bien, aujourd'hui sera puissant, réel et pur. Et cette carte, elle vient tempérer tous les événements, que ce soit sentimental, dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, dans votre famille, etc. Elle annonce la réussite et le succès. Sur le plan sentimental, il peut s'agir de réconciliation, si vous étiez dans une problématique, peut-être aussi de retrouvailles. Vous allez peut-être vous réunir pour une fête avec vos proches. Ce peut être aussi une naissance ou une demande en mariage. Au point de vue professionnel, au niveau professionnel, eh bien, cette belle carte du bonheur peut évoquer des félicitations de votre hiérarchie, des encouragements ou même une gratification. Peut-être que vous allez trouver un nouvel emploi ou que vous allez trouver un emploi, tout simplement. Peu importe, n'est-ce pas, le domaine, eh bien, cette carte est celle de l'épanouissement et de la concrétisation. Donc, aujourd'hui, vous allez peut-être trouver un nouvel emploi. Vous allez peut-être avoir une réconciliation avec votre amoureux ou votre amoureuse. Hein. Peut-être que vous allez avoir des retrouvailles après une discussion, une dispute. En tous les cas, c'est une belle journée en perspective qui s'ouvre à vous. Je termine avec la carte d'Oponopono. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. Ben voilà, vous décidez de vivre dans votre être, c'est le bonheur aujourd'hui. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Belle citation pour terminer cette journée, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis que le bonheur soit au rendez-vous. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.
À demain.